Une salve d'ovation pour Sa Majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. À l'issue du Forum économique ivoiro-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat sud-sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sous-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent forum économique du secteur privé, des pas de géant ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamoussoukro, nous sommes convaincus d'arriver à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le forum économique ivoiro-marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges étant passé de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012.